Yo ho ho yo 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 ho. Nous sommes la Darox, je suis la Variel, et vous êtes en compagnie de Roxy et Fardal. Nous allons vous amuser, et pour votre information, nous vous souhaitons une merveilleuse et bonne après-midi. Yo ho ho ho, yo 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 ho ho. Yo ho ho, yo ho ho. Bonjour à tous, vous êtes sur Ladarox en compagnie de Lavariel. Salut. Et de Roxy. Nous allons continuer notre let's play sur Heavy Rain et nous pensons que c'est Lavariel qui commence. Ah mais si t'as pas eu la même... Attends, excusez-moi, je vous coupe. Bonjour à tous. Allez, appuie. Donc si t'as pas eu la même fin, il y a des trucs que t'as d'office loupé. Allez, appuie. Mais non. Avec cette histoire, j'ai jamais tué personne. Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger? Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tôle. Quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Jaden. Enfoiré, t'es le client parfait. Merde! Bon, soit pour l'instant, on pense que c'est Gordy, vu qu'il a dit que c'était lui. H. Ouais, mais eux, ils sont pas au courant. Non. Ok. La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. La mère de Sean est là. C'était il y a plusieurs mois de ça. En pleine nuit. Il pleuvait à verse. Dan est rentré trempé vers 3h du matin. Je lui ai demandé où il était. Il a parlé de noyade, d'eau de pluie. Il tenait des propos incohérents. Dans son regard, il y avait quelque chose d'inquiétant. Comme si ce n'était pas vraiment lui. Ça n'est peut-être aucun rapport. Mais le lendemain, on annonçait la découverte d'une nouvelle victime. Le tueur aux origami. Retrouvez mon fils. Je vous en supplie. Bonjour, lieutenant Blake de la police fédérale. Voici l'agent Norman Jaden du FBI. D'après nos informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions à son sujet. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon? Je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Mon boulot, c'est de retrouver Sean Mars vivant, et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre! Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous demander de partir maintenant. Si vous voulez éviter les ennuis, tâchez d'être plus coopératif. Votre devoir est d'informer la police si vous soupçonnez un de vos patients, docteur. Vous me menacez? Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. Docteur, la vie d'un enfant est en jeu. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait nous aider à le sauver. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Vous commencez sérieusement à m'emmerder, docteur. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions. Parce que sinon, je risque de vraiment me mettre en colère. Qu'est-ce que vous foutez? Vous pétez un câble ou quoi? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je sais quelque chose et je partirai pas d'ici tant qu'il n'aura pas parlé. Vous n'avez pas le droit. Ah, 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 ah
d'accord, sans perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Si vous ne lâchez pas ce type immédiatement, je fais un rapport et je demande votre mise à pied. Qu'est-ce qui vous prend, Norman? Vous vous dégonflez? Vous voulez plus sauver Sean Mars? Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous. Mais ça ne nous donne pas tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite! Dan Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche. Oh, suspicion! C'est le nouveau suspect. Donc ce serait... Ethan. Voilà. Mais bon, nous on sait que c'est pas... Enfin, on sait pas en fait. Mais ça peut être Gordy aussi. Mm-hmm. C'est Ethan. Voilà. Mais c'est Ethan, mais sans être Ethan, vu qu'il est schizophrène, donc... Ouais, et en fait... Il fait des choses sans le savoir. Il se donne des épreuves à lui-même, c'est génial. C'est con. Vous avez débloqué un nouveau bonus. C'est quoi le bonus? Sexy ou pas? Ah, il est sexy, là. Oh. Accepté de cicatrice. Bon clic. Ah ouais, t'as deux trophées. Ash, je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. On surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'il puisse mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Tueur aux origamis s'appelle Ethan Mars. C'est pas vrai. Enfin, allez, c'est dégueu de suspecter directement. Bah oui, tout ce qu'ils veulent, c'est la presse. Hein. Ah, un ami. Encore, moi, ouais. Hey. Bah, l'épisode d'avant, c'était tout Roxy, là. C'est... Ouais. Vous avez la marée, là. Ah ouais, génial. On va jouer au golf. Ouais. C'est pas des petits pauvres. Ah, mais c'est pas le trameur, le père. Comment tu sais? Il est très souple. Alors, il y a le même garde du corps qui était dans la soirée. Non, c'est vrai, regarde. J'ai jamais vraiment compris ce qu'on pouvait trouver à ce sport. J'ai pas dit à Lorraine que je venais. Je passerai la prendre chez elle tout à l'heure. Le club de golf le plus huppé de la ville. Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Tiens, une vieille connaissance. Je me demande bien de quoi on va parler. Joli coup. Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café? Oh, merci, non. Vous jouez au golf? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi? Vous ne risquez pas d'abîmer la pelouse ici. Ok. Enlevez votre veste et prenez un club. Ok. On va faire le sport de riche. Ouais. On est riche. Le golf, c'est la vie. J'apprends un club. Comment c'est? Le panier de balles est juste là. Fais ça bien. Comment il tient un club? Ah, mais c'est là, retourne là. Il est sérieux, comment il tient le club? Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. C'est mal barre déjà. R1. Hop. Putain, je sais pas ça pour le golf, les gars. Tu en joues tout le temps au golf, toi. T'as tapé à côté, non? Impressionnant. Vous avez l'air doué. La chance des débutants. La chance des débutants.
En même temps, je suis de la police, moi je sais tout faire, hein. C'est un détective privé, il a des tas de choses. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, monsieur Kramer. La femme, quand elle s'est suicidée. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. C'est exact. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. Je joue au golf, hein. Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sordides. Alors il n'a rien à craindre de mon enquête. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Sauf votre respect, monsieur Kramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter. Il va te taper. Vas-y, joue. Moi, c'est moins crevant quand même. Je suis un homme très influent, monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. Moi, il va te taper. Vous essayez de m'acheter. Disons... J'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt. Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils ? Je crois que nous nous sommes mal compris. Zéro. Je ne mange pas de ce pain-là. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Ne vous approchez pas de mon fils, monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. Bonne journée, monsieur Kramer. Tu vois. Il va venir avec son club de golf, il va me le foutre dans le cul. Voilà. Ah, c'est bon. Ah, ben c'est à Roxy, mais voilà, c'est pas tout... Ce sera pas toute une vidéo avec moi, hein. Pour une fois. Je suis désolé. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Et en plus, avec moi, vous allez aux toilettes. Je le fais aussi, hein. Donc, des fois que tu vas me faire pipi, tu vas me faire pipi. Pipi. Dan, il a été 100 000 fois avec moi. Pipi. On est où maintenant? En fait, t'as jamais fait faire pipi. C'est une fois au détective, c'est tout. Au détective. Mais à l'agent du FBI, il peut pas faire pipi. Il a pas de commis. Traduction. Les agents du FBI ne pissent jamais. Il est bah, quand il est même. Troisième. Des bêtises. Qu'est-ce que c'est? Okay. Il doit faire un sacrifice, c'est ça que l'on dit? Il est malin. On va aller voir des rats. Ouais. L'amusement total. Okay. Endroit dégueulasse. On pourrait habiter ici. Il y a eu un incendie ici, tout est calciné. Alors, son hôtel. La douleur revient. Les médicaments commencent à ne plus faire effet. T'as pas pris 9711 Marble Street. C'est bien la bonne adresse. Qu'est-ce que je suis censé faire dans cet immeuble à moitié détruit? Je suis encore faible. Je tiens à peine debout. Il y a des trucs. Oui, je sais. Chaud. Je vais d'abord les penser. Où est-ce que tu es, mon fils? Ouais, non, je fais. Des lézards en porcelaine. Là, c'est les salamandres. On dirait qu'ils sont récents. C'est ce qui est... C'est l'origami, c'était un lézard. Tu viens pas? Bah, casse-le. Il y a peut-être un truc dedans, non? Ouais, non, il y a rien. C'est bizarre, la porte elle se ferme pas. Si, c'est normal. Un autre lézard bizarre. On va tout casser. Oh, mais il y a 10 000, je vais m'amuser. C'est comique. Il y en a un vert. Ah, celui-là, il est bizarre. Ça a vibré. Il y a un truc dedans. Une clé! Et les autres, on peut les fouiller pour voir. Je sais pas, du coup.
On verra bien. T'as vu, il y avait une porte avec un laser. Mais non, je crois que les autres. Maintenant que j'ai trouvé la clé, je dois plus faire. Oh non. C'est pas. Tu m'as bien cassé des trucs, moi. Bon, on a cassé trois cette façon. Mais il y a encore plein de trucs à casser. On peut pas. Comment? Oh, que c'est beau. Ah ouais, c'est une magnifique pièce. La tu télévision. C'est dégueulasse. On dirait que ça a été brûlé. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit, je crois que ça a été calciné. On a vu, c'est un bâtiment brûlé. Bah, c'est bien, on peut habiter ici. Oui, bah, c'est. Bah, c'est pas mieux que notre hôtel miteux. Ah, une vidéo. Il y a un GPS sur la table. Bateau ? Ok, c'est pas très intéressant. On va aller sur la table. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Encore une femme qui va nous dire : faites ça, faites ça. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils ? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Ouais, 5 minutes, beaucoup. Voilà, d'abord, faut trouver un truc pour couper. La hache. Où t'as vu une hache ? Ici ? Il y en a une derrière. Là, il y a quoi ? Je sais pas, j'ai pas vu. Ah, un ciseau. Bon. Oh, c'est chaud avec un ciseau. Bon, on va le faire avec le ciseau, je vais le faire avec le ciseau. Non, t'es obligé de le prendre. Hein. Tu dois choisir, tu peux le mettre sur la table et choisir. Et t'auras des choix entre le ciseau, le truc. Voilà, t'as tout choisi. Il y a les ciseaux. Tu peux ramasser d'autres trucs. Mais déjà, t'as. Elle est là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Non, t'es. Tu fais faire n'importe quoi pendant le temps. Non, mais c'est toi, hein. Qui mais il y a une hache pour la télévision. Non. Ah, j'ai fait ce que tu me demandais. Il vous reste 4 minutes et 30 secondes. Non, ça tue pas la télévision. C'est tout près de la télévision. Je vais arriver, il nous reste 4 minutes, c'est bien assez. Mais il faut que tu m'aides là, parce que. Je vais tourner un petit peu. Je regarde, il y a pas mal de choses à vue. Là, la hache. Ouais, avec la hache. On va prendre. On la met sur la table. Et là, il y a des cisailles sur la télé. Sur la télé. Ouais. Là, il y a la télé. Là, il y a une scie. Et là, il y a une. Ouais, là. Je crois qu'il a encore fait la pince. Une pince coupante. Allez, ouais, une pince coupante. Oh, on réunit. Il y avait un truc à gauche. Ouais, là, c'est. Non, c'est cool, on peut voir, on la prend quand même. Si tu vas choisir, on peut. Il vous reste 4 minutes. Ça va, 4 minutes, ça va. Dans la cuisine, il y a peut-être des trucs. Ah là, il y a un couteau. C'est avec ça que moi j'avais fait la fin d'année. Ah voilà, c'est ça. C'est ça que j'allais faire brûler. Tu savais bien que j'avais fait quand même, j'étais pas fait pour une sorte de petit. Il vous reste 3 minutes et 30 secondes. Tu savais bien que j'avais fait. Il y a encore du gaz, qui paye le gaz. J'avoue. Attends, ça brûle encore un peu. Ouais, voilà, c'est bon. Je pense que là on a tous les accessoires. Mais dans les. Enfin, dans les vies, il y a quelque chose. Je vais regarder si tu veux. Si y a un autre truc à présent, on va mettre. Dans les vies. Ah, mais t'as raison. C'est peut-être tout, on va trouver.
non, c'est pour le réveiller un peu. Et voilà. Là, je pense que et là, il y a quoi? Ouais, là. Il vous reste 3 minutes. C'est quoi? Je sais pas. Non, non, c'est pas là. Ça peut servir de couper. Ce serait vraiment la barbare. Ouais. Allez, on s'assoit. Ah, mais on coupe avec quoi? T'as le choix maintenant. Tu veux faire quoi là, toi? En couteau ou alors... Le ciseau. La scie. Non, le ciseau, non. La hache, le couteau ou la scie, choisis. La hache. D'abord, on va voir un coup. Alors, on se non, on se couvre. Mais ce que je vais te faire. Je sais pas. Ah, je vais peut-être que voir un coup, ça. Tu dois couper le tout. J'ai donné des forces, hein. C'est pour dire de donner des forces. On voit pas tout, on voit juste un peu. Ah, c'est pour pas tout finir, il faut garder pour. Il vous reste on fait quoi, 2 minutes et 30 secondes. Ou la pince coupante, c'est bien la pince. Non, on choisit le couteau et la scie ou la hache. Vas-y, choisis. La hache. Allez. T'as cette trash la hache. Pour pouvoir désaffecter la douleur. Maintenant, est-ce que c'est... Il est un peu con. Tant pis. Tant pis, hein, écoute. Et avec là, je me demande si ça fonctionne, le truc barbare. Non, on n'a pas le truc barbare. C'est pas... J'ai l'impression que ça fonctionne. C'est vraiment bien.
tous les doigts. C'est bon, lieutenant. On est en place. Parfait. Que personne ne bouge avant mon signal, compris? On le sert dès qu'il met un pied dehors. Bien, lieutenant. Un coup de bol qu'une patrouille a repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? On sait rien. C'est vous le profiler, non? Je croyais que vous étiez dans la tête du tueur. Justement. Ce que je sais d'Ethan Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les preuves concrètes. Merde, c'est qui cette fille? Si Mars sort maintenant, elle va tomber en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On la fait dégager? Non, pour l'instant, vous bougez pas. Ouais, fous la merde. Mais ça, je peux rien faire, ça, ça n'est rien. Mais comment ils savent qu'Ethan est là? Les flics ne me connaissent pas. Je pourrais entrer dans l'immeuble sans me faire remarquer. Il faut que je prévienne Ethan. La police. Tu passes par un autre. Ils sont en planque devant l'immeuble où est entré Ethan. Et si tu rentres comme ça, ils vont savoir que t'es entré. Il n'y a pas d'autre. Moi, j'ai toujours été par là. Et toi? C'est pas les petits moyens de passer par la police derrière. Parce que là, ils vont savoir qu'on est rentré. Rentre dans l'immeuble. Qu'elle habite là. Du mal. J'aime autant avoir personne dans les pattes quand Mars sortira. Tu vois ? Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La police. Ils sont dehors. Ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Voilà. Sortir par là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut ? Ta mère a trouvé quelque chose. Tenez-vous prêts à intervenir. Ils sont toujours là. Il faut trouver une autre sortie. Pas d'issue par là. Ça n'avait pas réussi, là. Il y a une fenêtre dans de près de chez... Là. Ah ouais. Ouais, mais je sais pas. Ouais, c'était ça. Signal, on y va. Faites tes règles, vous restez là. C'est hors de question. Je viens avec vous. Deux gars bloquent l'entrée. Les autres, restez à vos postes. C'est parti. Ils sont en train de se barrer par la ruelle. Poursuivez-les. Putain, moi, je me suis... Le métro. Mais tu dois passer par le truc de métro. J'ai toujours le seum. Et comment ils font?
Je vois rien. Il va même pas en prison, les gars. Tant mieux. On a réussi. Faut même pas que. Donc faut même pas que le. Ah, ça, j'ai pas eu une interview. T'as pas eu ça? Ethan! Ethan, qu'est-ce qui se passe? Il faut avancer, Ethan! Ethan! Ils vont arriver! C'est dégueulasse, en fait. Là, je suis content, je suis content. Attends, mais... On a peut-être du coup réussi quelque chose. Moi, je suis content, je suis content. On va peut-être avoir un truc à l'autre. On n'aura pas eu. Ah, ils sont là. On n'aura pas eu. Ah! Sérieux? Attention! Attention! Bon sang, regarde un peu où tu vas, pauvre con! Hey, attention! Maïs! Arrêtez où je t'ai! Je suis affiné comme ça! La fille a réussi à se sauver, mais pas le mec. Et donc, ils attrapent Ethan. Et en fait, Jayden, donc Norman, le FBI, se rend compte qu'en fait, Ethan est gentil, il est pas méchant. Et il l'aide à sortir de prison. Et là, on a même pas eu ça. Du coup... Bah, du coup, je sais pas. Du coup, est-ce une bonne chose? Du coup, Jayden n'est pas notre pote. Ouais. Écoute, fallait me le dire. C'est fait. Hein. Bah ouais, mais c'est parce que... Est-ce une bonne chose? Parce que moi, je ne savais pas non plus. Ça va peut-être arriver à une autre fin que tout à fait différente. Parce qu'habituellement, Ethan, en fait, on devient ami avec lui, quoi. Fugitif. Il y a moins d'une heure, les services de police ont annoncé avoir enfin réussi à identifier le tueur aux origamis. Ethan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui a tant défrayé la... Bah voilà, c'est bien, on a vu une autre possibilité. Je rapporte de quoi manger. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Et les flics? Non, je crois qu'on les a semés. Cela dit, le gars de l'accueil ne m'inspire pas confiance. Il faut s'en méfier. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Ils disent que vous êtes le tueur aux origamis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Avouez.
Je ne sais pas. Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Comme s'il y avait deux personnalités en moi. Tout ce dont je me souviens... ce sont des corps. Des corps dans l'eau. C'est pourquoi revenez-vous en sang, Ethan ? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement ? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police ? Pour leur dire quoi ? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils ? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Vous n'allez pas tenir longtemps, Ethan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Sean sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison... alors allez-vous-en. Donc, nouveau truc qu'on n'a pas vu. Parce que c'était arrêté. C'est cool, mais du coup, il va se passer quoi ? C'est trop bizarre. Mais il se passe pas grand chose. Ah. Ah bah du coup on passe directement à la quatrième épreuve. La dernière il se passait d'autres trucs mais... Mais c'est pas à ce moment là qu'il faisait le... C'est quoi ? Le truc ? Bah non, vu qu'il est censé être en prison, il fait chier. Ah la boss tu vois. Oh merde, il y a un peu. Je pense pas que j'aurais le temps. Tuer quelqu'un. Oh oui, on va tuer Brad Silver et envoyer une photo. Walking Dead avec des zombies, là il n'y a pas de zombies, donc ça tient pas la route ton histoire. Si, si, dans Walking Dead c'est soit survivre ou bien crever comme une merde en se voyant. C'est normal, c'est l'apocalypse, là c'est pas l'apocalypse. La même chose, il faut sauver les vies, il faut, pour sauver une vie il faut prendre une vie. C'est normal. Ah, il veut jouer au piano. Ah, j'avais fait un beau truc, t'as un trophée si tu réussis. Si tu réussis, t'as un trophée. On s'en fout de tes trophées. Non, on s'en fout pas, je vais réussir. C'est la variée qui a la manette, du coup. Du coup, lui aussi, il va avoir une autre histoire. Vu que de base, il devait interroger Ethan et tout ça. Là, il va avoir une autre histoire. Je suis un pianiste, hein, les gars. Votre cocktail, monsieur. Il y a un mec qui nous apporte le cocktail. Merci. Mm-hmm. Voilà. On va s'arrêter ici, je trouve qu'on a bien avancé. Donc, on vous souhaite une bonne journée. Un très bon après-midi. Tu
plusieurs fois. Et surtout un très bon amusement. Et abonnez-vous, parce que là, on n'a pas encore été aux toilettes. Et on doit aller mettre un like, parce qu'il faut aller aux toilettes après. Nous avons joué du piano. Salut tout le monde, à la prochaine. Bisous, bisous.